Re les amis, on est reparti. Alors, j'enchaîne les deux chapitres en fait aujourd'hui, c'est pour ça que je veux dire re. Donc on reprend là où on s'est arrêté, à savoir à cet écran de préparation. Cet écran de préparation, qu'est-ce qu'il nous propose? D'abord un écran unité, dans lequel on peut choisir nos unités. Bon, ici on n'a pas le choix, on n'a que 4 unités possibles et les 3 autres ne sont pas disponibles, puisqu'ils sont partis avec le chef. À côté de ça, on a l'écran formation qui nous permet de choisir qui va se trouver où. On verra la formation après. On a l'écran qui permet de voir la carte librement pour voir les adversaires éventuels. On a un écran objet qui va nous permettre de troquer les objets entre nos différents personnages. Ici par exemple, je vais donner cette hache en acier pour Boyd plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on pourrait utiliser la robe sainte et l'aile éclair. D'ailleurs la robe sainte je vais m'en servir tout de suite, car on est en difficile et que je préfère ne pas prendre de risques. Donc je vais donner un bon buff en PV à Ike. Alors c'est vrai que dans ce Fire Emblem là on peut pas s'en servir à cet écran là. Faudra que je le fasse en combat. Mais j'utiliserai cette robe sainte pour donner plus de points de vie à Ike, parce qu'il est vraiment fragile avec ses 20 points de vie et que le jeu commence à se compliquer sérieusement. Donc on a Gatori et Shilon qui rejoignent notre groupe. Gatori qui est un chevalier de niveau 9, vraiment solide, vous voyez qu'il a une stat de défense absolument impressionnante et une bonne attaque pour une vitesse faible. C'est concrètement le tank, hein. Il sera très utile et je pense que je vais m'en servir beaucoup. Et Shilon qui est un archer d'élite, qui a des stats très intéressantes. Il est rapide, il est efficace, c'est un archer, mais qui est niveau 1, donc vous savez ce que ça veut dire, un personnage fort est niveau 1, généralement il est pré-promu. C'est partie de ces unités qui, comme Titania, ont un potentiel vraiment limité. D'autant que celui-là, non seulement il a un potentiel limité, mais en plus, il est disponible dans un nombre de chapitres relativement limité aussi. Ce qui fait que c'est une unité pas très intéressante à mon sens. Donc voilà notre groupe. Le but du jeu dans cette mission, alors on a été envoyé pour se débarrasser de pirates qui maltraitent un village encore, hein, c'est toujours la même histoire au début, hein, on est des mercenaires donc c'est un peu notre boulot. On a une porte à visiter ici et on aura un petit événement qui va se produire qui va nous demander d'être réactif. Parce que là on va rencontrer une nouvelle mécanique dans le jeu, à savoir le recrutement en mission. Comme vous vous en doutez, mon groupe de mercenaires actuel va pouvoir s'élargir un peu. On va pas jouer éternellement 5 pauvres personnages. Et justement, cette mission va en être l'illustration. Donc on commence en choisissant la position de mes unités. Je pense que j'enverrai mon archer à gauche pour se débarrasser de lui. Peut-être Titania à droite pour se faire ses 2 ennemis. Et devant, Gatori avec Ike juste derrière. Ça c'est mon idée de base, on va voir ce que ça donne. Sinon on a aussi l'écran situation qui nous dit exactement où sont placés les ennemis, etc. Ça sert pas à grand chose. Un écran option, on s'en fiche, la sauvegarde, et on est parti pour le combat. Alors, on envoie comme prévu Shilon à gauche, on va essayer de se débarrasser de lui. Comme vous voyez, Shilon est plutôt efficace, hein. En plus, il a un taux de coup critique très élevé, il avait 22%, donc bon, il a lâché un critique, c'est tant mieux. On envoie Titania de ce côté-là pour écraser l'adversité. Donc là, c'est un peu de l'XP perdu, vous me direz, oui, mais bon. On est dans un mode de jeu où l'XP perdu est pas forcément... Enfin, il vaut mieux perdre de l'XP que de perdre une unité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, Ike va essayer de se faire le deuxième gros, tant qu'à faire. Il peut prendre un peu d'XP bonus, on va pas s'en plaindre. Je vais quand même me méfier, ceci dit, parce que on n'a pas de soigneur dans cette partie. Et on envoie droit devant notre Gatori. Voyons voir à quel point il est résistant. Alors Ike prend une attaque de l'archer. J'ai beaucoup de chance sur les esquives, décidément, c'est assez insolent. J'avais pas du tout prévu que ça se passerait. Manifestement, mon Ike est intouchable. On va pas s'en plaindre. Alors lui, voilà, il me fait affreusement mal comme vous le voyez.
Donc pour l'instant on est plutôt bien, hein. Il n'y a pas beaucoup de danger. On visite la maison avec Titania, on rencontre un mystérieux personnage. On aura le temps d'en reparler plus tard de ce personnage. Et il va nous donner un élixir. Élixir qui permet de régénérer entièrement le personnage qu'il utilise. Donc un objet plutôt sympa. On va pas pouvoir se débarrasser de lui avec Ike, du coup on va attaquer cet épéiste. Ça peut paraître bizarre comme manière de procéder, mais je veux absolument que Ike prenne le plus d'XP possible, et il prendra plus d'XP s'il peut achever son adversaire. L'archer, en vérité, je crois qu'on va se le faire avec notre propre archer. Voilà, c'est la meilleure solution que j'ai pour l'instant. Et Gatori va complètement ignorer cet adversaire puisque Ike ne le craint pas plus que ça à l'heure actuelle, et que mes deux autres sont largement capables de s'en sortir contre. Et là je vais avancer vite avec Gatori parce que voilà. Voilà Marcia qui va nous poser quelques problèmes dans cette mission. Marcia, elle est ici pour retrouver son frère, et apparemment son frère a un lien avec ces pirates. Et du coup, bah, les pirates l'ont berné, elle se retrouve au milieu d'eux, un peu dans la mouise. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on lui parle avec Ike avant qu'elle décède. Et autant dire que ça va pas être facile, parce que bah, elle est déjà à moitié morte, quoi. Donc on va essayer d'avancer le plus vite possible, sans faire dans la dentelle. On va voir si c'est possible. Gatori, pour l'instant, il se débrouille très bien tout seul. D'ailleurs, il tape deux fois. Ce qui est plutôt fort, hein, c'est vraiment un personnage qui fait pas rire. Donc normalement elle devrait survivre ce tour. Et si tout va bien, elle devrait même se soigner, ce qui fait que on n'aura pas trop de problèmes. Espérons qu'elle survive. Voilà, très bien. Mais là du coup va vraiment falloir pas traîner pour aller l'aider, parce qu'elle est très bien capable de mourir à ce tour. Alors Gatori fonce dans le tas. Pas là, attends. Aïe aïe aïe, je crains le pire. Ike le suit de très près et en profite pour utiliser sa robe sainte, ce qui augmente ses PV max. Et ici, je vais choisir de donner l'XP plus à Titania qu'à Chinon, tant qu'à faire, parce que comme je vous l'ai dit, Chinon sera là dans un nombre de chapitres limité. Alors que Titania, on l'aura du début à la fin. Donc, tant qu'à faire, si l'un des deux doit prendre de l'XP parce que j'ai pas le choix, autant que ça soit elle. Et on avance. Et on prie pour que Marcia survive. Ok, ce pirate voulant se soigner, ça me laisse de bonnes chances de survie. Mais bon, rien n'est fait. Donc vous voyez, ces unités attaquent à distance. C'est des pirates équipés de hachettes. Les hachettes sont des petites haches qui permettent de taper de loin et qui sont très handicapantes. Ok, elle a survécu ce tour. Normalement, je devrais pouvoir la rejoindre avant qu'elle meure. Donc tout va bien. Je pense que ça va le faire. Donc Ike est encore trop loin pour ce tour-ci. J'avance un peu de manière autoritaire, on va dire, hein. Mais je veux vraiment pas qu'elle meure. Ça m'embêterait. C'est un personnage que j'aime bien. Même si je pense pas m'en servir dans cette partie en difficile, parce qu'elle arrive vraiment à bas niveau comparé aux autres unités au moment où elle rejoint le groupe. Parce que oui, malheureusement, elle rejoindra pas le groupe maintenant tout de suite. Elle rejoindra le groupe plus tard. En attendant, on fait le ménage autour d'elle. Alors ça, par contre, c'est pas très sympa. C'est pas grave, on n'a pas pris beaucoup de dégâts. Et voilà, donc là normalement elle ne peut pas mourir. J'espère juste qu'elle va rester en place et qu'elle va pas essayer d'aller attaquer des gens trop loin. Ça serait vraiment un problème. En attendant, bon, elle a pris 6 points de vie, donc elle est encore bien en bon état. Donc Titania qui prend beaucoup de kills dans cette mission, ça m'arrange pas des masses, mais vraiment je voulais pas que Marcia meure. J'ai envie de faire une bonne partie, donc pour ça je vais éviter de laisser mourir des personnages. Donc Ike qui vient lui parler, elle qui était en train de galérer et qui se fait secourir par Ike. Et puis elle s'enfuit en promettant de rembourser sa dette, ce qu'elle fera plus tard. Maintenant, occupons-nous du reste avec Gatori, on va défoncer cet ennemi-là.
C'est chose faite. C'est pas la mission la plus intéressante du jeu. Hein, ça... Comme je vous l'ai dit, ça va crescendo. Au début, on est un peu dans le mal. Hop, alors ce boss ne peut pas m'atteindre. C'est tant mieux. On va éclater celui-là avec Titania. Et maintenant, on va essayer de tout donner à Ike. Donc là, l'objectif de fin de mission, maintenant que je suis plus pressé, c'est de prendre mon temps, de me placer correctement et de donner le plus d'XP possible à Ike. Alors, pour l'instant, je veux me mettre dans la portée uniquement de cet ennemi-là. On va se mettre ici. On va utiliser une potion au cas où. Et on va attendre qu'il bouge. Je ferai pareil avec le boss. Et lui, on le fera en dernier. D'ailleurs, je vais attirer le boss tout de suite pour plus tard. On va se mettre comme ça. Voilà. Voyons voir ce qui se passe. Alors, le boss qui vient comme prévu sans prendre à Gatori. Voilà, on craint pas grand chose avec Gatori. Même si le boss fait mal. Hein. Là, ça commence à être vraiment du boss costaud. Donc, faut se méfier. D'ailleurs, c'est peut-être un peu dangereux ce que j'ai fait là. Sans doute une grosse connerie. Ouais, je pense que j'ai vraiment mal joué. Ok, donc là, il va être question de ne pas faire de boulette parce que je veux pas que le boss attaque mon Ike. Sinon, il risque fortement de me le tuer et ça me plairait pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc Titania pourra se placer de manière à protéger Ike. Donc tout va bien. Ike va attaquer cet adversaire. Malheureusement, il y a peu de chances qu'il le tue. Et ça m'embête grandement. Bon, c'est pas grave. On va le tuer avec Chinon. On va pas prendre de risques. Le plus important, c'est que Ike prenne le boss. Donc le boss, il faudrait qu'on l'entame. Seulement, voilà. Ouais, sur remarque, on peut l'entamer tranquillou avec Gatori. On va lui mettre un coup de lance en acier dans la tronche, ça le calme un peu. On va éviter de taper avec Titania parce qu'on veut pas le tuer tout simplement. Ah, il s'en prend à Chinon, c'est pas terrible, j'espère que Chinon va pas le tuer. Bon bah Chinon l'a tué. Alors ça c'était vraiment pas de chance pour moi, il s'en est pris à mon archer pour aucune raison et du coup... Bah, j'ai même pas pu finir le dernier ennemi, donc là j'ai perdu une quantité d'expérience considérable. Donc ça arrive, c'est les aléas de ce jeu. Et on a sauvé le village des pirates, tout le monde est content, tout se passe bien. Ce qui clôt notre chapitre 3. On va aller jusqu'à l'écran de préparation du chapitre 4 quand même, histoire 2. Et là le jeu va vraiment pouvoir commencer. Donc... on va faire la rencontre d'un nouveau personnage, de plusieurs nouveaux personnages d'ailleurs, notamment Soren. Voilà, donc Soren dont on commence à nous parler, on récupère une lame royale offerte par notre papa. Et on va se lancer dans une mission plus complexe cette fois, comme vous allez le voir. Mais tout ça on l'expliquera dans la prochaine vidéo. Et... en attendant, ben, portez-vous bien et à la prochaine !